Nous sommes les étudiants de la faculté d'ingénieur. Nous sommes les représentants du pays. Nous sommes les ingénieurs de demain. Nous sommes la 5e promotion de la faculté d'ingénieur. En parlant au nom de toute ma classe, nous réclamons haut et fort notre bourse qui a été attribuée par le centre d'excellence ou ce que l'on nomme le CALT. La Banque mondiale d'Afrique a offert aux étudiants de la faculté d'ingénierie qui résident à Djibouti une bourse et nous ne l'avons pas jusqu'à maintenant. Des enquêtes ont été menées l'année dernière. Nous avons des preuves irréfutables qui indiquent que les étudiants à la faculté d'ingénieur, et notamment en cycle de 4e année et de 5e année, c'est-à-dire les cycles de spécialité, ont la possibilité d'avoir ou de recevoir une bourse qui nous provient de la Banque mondiale d'Afrique. Nous n'avons pas été valorisés. Nous n'avons pas été respectés. Nous n'avons pas été écoutés. Nous n'avons pas été considérés par les hautes placés de notre faculté. Ceci nous ramène vraiment à faire un grève ou des manifestations et je trouve que cela est un droit constitutionnel. Le droit de grève et de manifester est une liberté individuelle ou collective garantie à tous par la loi. Nous nous demandons plusieurs questions et nous nous retrouvons dans un énigme où vraiment on ne peut pas savoir des explications. Et la question majeure de cette énigme est pourquoi l'Université de Djibouti a accueilli des étudiants au moment pile où on allait avoir notre bourse? Pourquoi? La question majeure est ça. Depuis quand l'Université de Djibouti a accueilli des étudiants? Et pourquoi au moment pile où on a mené une enquête où les centres d'excellence nous ont envoyé des mails pour pouvoir remplir des fichiers et à passer combien de semaines à remplir ou fournir les pièces qu'ils nous attendaient. Pourquoi en moment pile nous réclamons haut et fort ces bourses? Parce que ceci est notre droit, c'est notre droit et je le répète encore une fois, c'est vraiment notre droit. Mais on dit,